Bonjour, je suis Jean-François Vautrin, je suis né le 3 août 1947 à Nancy, ce qui signifie que j'ai côtoyé une autre civilisation jusqu'en 1966, date à laquelle le général de Gaulle décréta qu'il ne saurait y avoir de base de l'OTAN en France. Je voudrais vous poser la question suivante. On dit aussi très fréquemment que vous êtes anti-américain. Mais je ne suis pas anti-américain. Prétendait-il que la France laissa sa politique se fondre dans une Europe fabriquée tout exprès, sa défense dans l'OTAN? Je ne dirai jamais assez que je leur dois, grâce à leur présence, d'avoir entrevu le futur. En 1957, à Nancy, dans ma rue, stationnaient de grandes voitures appartenant à des Américains qui louaient quelques maisons. Grandes comme des paquebots, aux couleurs jamais vues, pistaches, fraises, myrtilles, crèmes, violettes, et parfois même pistaches et crèmes, violette et nacre, orange et citron, donc des voitures bicolores. Nous qui roulions dans de petites quatre-chevaux jaune paille surnommées mottes de beurre, couleur unique, c'était dû à un énorme stock de peinture reçu de l'Allemagne en dommage de guerre, donc un surplus de l'Afrika Korps. Couleur en accord avec la tenue de camouflage du maréchal Rommel, surnommé par les Anglais le renard du désert. Plus tard, nostalgie quand tu nous tiens. Je peindrai sur toi ces paquebots en situation. C'est devenu mes belles américaines. Je dois également à ces Américains d'avoir fait naître vers mes 12 ans une courte vocation. Je collectionnais les documentations sur les avions de toutes nationalités, américains, anglais, russes, français. J'ai même dessiné mes propres prototypes sur des cahiers à petits carreaux. J'aurais voulu devenir ce que j'appelais dessinateur d'avions. Ce qui voulait dire, je l'ai appris plus tard à mon grand dame, que je devais faire de longues études d'ingénieur spécialisé en aéronautique. Fin de ma vocation. Mais comment était-elle née? Mon père, grand admirateur de la chose militaire US, lors des journées portes ouvertes sur les bases américaines qui entouraient Nancy-Hochet, Toul-Rosière, m'emmenait voir les avions au sol ou en vol. Lors de ces journées, nous côtoyions de grands gaillards en casquette et tenue verte qui ingurgitaient de la bière en boîte. « En boîte ?» disait mon père. « Mais ça doit sentir le fer !» Les pilotes et leurs mécaniciens s'affairaient autour des avions qui avaient pour nom F-86 Sabre, F-100 Super Sabre, F-105 Thunderchief. Ils posaient tous avec gentillesse pour le plaisir des petits et des grands. Reporter photographe d'un jour. J'ai succombé à mes souvenirs. J'ai peint également quelques toiles avec des avions. Une cousine de ma mère avait installé à l'entrée d'une base américaine, à Hochet, un café-restaurant, basé sur ce qu'elle avait découvert elle-même aux États-Unis. Elle y avait vécu 2 ans. Les diners. Alors qu'est-ce qu'un diner? Pour nous, petits Français, nous ne savions pas. C'est un grand comptoir, des tabourets, et les gens viennent boire et se restaurer. En plus, il y a un équipement sonore et visuel. Le sonore, c'est le Wurlitzer ou le jukebox. Le sonore, c'est le Scopitone, la même chose, mais avec un film. Les GI américains quittaient la base, traversaient la route et venaient donc chez la cousine de ma mère, pour se restaurer et trouver un peu de l'ambiance des États-Unis
qu'ils avaient quitté 2 ans ou 3 ans auparavant. Je découvris donc ce décor, cet univers qui me marqua beaucoup. J'ai peint, bien plus tard, quelques toiles sur cette Amérique rêvée. De retour à la maison, j'allais, nostalgique, feuilleter mes bugs d'amis. En 1979, lors d'un voyage en Floride, à Cap Canaveral, je découvris la maquette de la navette. 2 ans plus tard, en 81, cette fois-ci de Los Angeles, à l'hôtel, à la télévision, je pus admirer l'atterrissage de la navette Columbia. Par le plus grand des hasards, la veille, en sortant de l'aéroport de Los Angeles, nous sommes tombés, Evelyne et moi, en tant que téléspectateurs assidus, sur une célébrité de la TV, un certain Jean-Pierre Chapelle, qui nous apprend que l'atterrissage de la navette Columbia aura lieu le lendemain à 7h du matin. Or, il fallait compter 2 heures pour y aller. Nous ne nous sommes pas réveillés. Mais qui était ce Jean-Pierre Chapelle? C'était lui avec Michel Onfroy qui avait commenté sur la seule chaîne de TV en noir et blanc la fameuse nuit du 21 juillet 1969 où le LEM s'est posé sur la Lune. En 1989, je découvris au Salon du Bourget la navette Buran, copie soviétique de la navette spatiale américaine. À l'instar du Boeing 747 qui transportait Columbia, je découvris ce même jour l'Antonov AN-225, gros porteur de Buran. D'ailleurs, à ce jour, le plus gros avion du monde jamais construit par des ingénieurs ukrainiens est détruit depuis l'invasion russe de 2022. Regardez son spectaculaire train d'atterrissage. Lors de ce salon de 1989 au Bourget, je n'ai pris aucun film, je devais le regretter. En effet, au cours de la démonstration en vol, il vira avec un angle de 45 degrés la navette Buran de 62 tonnes fixée sur son fuselage. En conclusion, les copies des inventions américaines sont une longue tradition soviétique. En récupérant ou en volant études et plans, l'URSS faisait de substantielles économies en gagnant du temps de recherche. Ce phénomène avait déjà été remarqué lors du Salon du Bourget de 1973, à la présentation de ce que les ingénieurs français appelaient le Concordoff, qui était le fameux Tupolev 144, dont nous allons parler plus tard. Concordoff ou Concordovski, tellement ils étaient parents. On parle d'espionnage industriel, ce que les agents de la DST nomment encore aujourd'hui de la recherche ouverte. Donc je vais vous lire un article sur l'espionnage industriel, ce que je disais tout à l'heure. On parle donc d'espionnage industriel selon un agent de la DST, pratiqué allègrement ce que la DST appelle toujours de la recherche ouverte. On parle des espions russes. Exemple fameux. Lors d'une visite d'une délégation soviétique en 1967, dans des ateliers toulousains de Sud Aviation, on s'aperçut que certains d'entre eux étaient chaussés d'étranges semelles de crêpes,
bien plus épaisse que d'habitude, au point que les copeaux de métal qui traînaient par terre à côté des machines pouvaient s'incruster. Puis, une fois rentré à Moscou, bien sûr, il procédait à une analyse fine du métal. On aurait pu mettre de faux copeaux, avec de mauvais alliages. Mais qui dit que nos services secrets n'y ont pas pensé? C'est peut-être pour ça que le Tupolev a cassé dans sa descente brusque. Petit aparté concernant le Salon du Bourget. J'étais prédestiné à travailler un jour pour ce salon. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais espéré créer la façade du pavillon du CNES en 1987, ainsi qu'une grande frise intérieure, et pourtant, c'est arrivé. Mais revenons à ce salon. Nous sommes donc le 3 juin 1973. J'ai roulé très mal entre Paris et le Bourget, vu la circulation incessante des futurs visiteurs qui, comme moi, veulent arriver à l'heure pour les démonstrations en vol du Concorde, puis du Tupolev 144. C'était l'attraction attendue. Donc, ce dimanche 3 juin 1973, s'ouvrait le 30e salon aéronautique et de l'espace au Bourget. Il allait être marqué à 15h30 par la chute du Tupolev 144 sur Goussainville. Pour l'instant, nous admirons des démonstrations en vol de différents types d'avions, dont ce biréacteur, l'Airbus A300. Il avait effectué son premier vol en 1972. On aperçoit ici le Concorde sur le tarmac. Nous allons voir deux démonstrations rivalisant de prouesse. La première démonstration en vol commence par le Concorde. Il quitte le tarmac pour se présenter au décollage. Vous remarquerez que les deux réacteurs Olympus sont situés en bout d'aile, alors que sur le Tupolev 144, ils sont regroupés dans une nacelle sous le fuselage.
Voici le Tupolev 144 qui va se présenter à son tour, malheureusement, pour son dernier vol. On remarquera les plans appelés moustaches situés à l'arrière du cockpit qui servent au contrôle du tangage comme en 1986 sur le Rafale de Dassault. Le 144 fait une présentation remarquée. Il se devait de faire une démonstration de maniabilité supérieure à la démonstration sage du Concorde. Les spectateurs sont ébahis, mission accomplie, puis ils s'éloignent en montant dans le ciel. Le spectacle est terminé. Je le suis des yeux, petit point noir qui s'éloigne là-haut en bout de piste. J'arrête de le filmer, il est trop loin. Et de temps en temps, je jette un œil sur ce petit point là-haut, le 144. Je m'intéresse au reste du spectacle, car the show must go on. Les démonstrations en vol se succèdent. Ici, le Grumman F-14 Tomcat, un avion de chasse embarqué, ses ailes sont à géométrie variable. Tout est double. Deux réacteurs, deux empennages, deux pilotes. Quand soudain, j'ai l'impression que le petit point noir là-haut chutait très rapidement. J'ai le temps de crier à ma compagne, « Regarde, regarde, on dirait que le Tupolev tombe !» Ma compagne rit, « Mais non !» Le temps que je prenne ma caméra, un nuage sombre s'élève au-dessus de Goussainville. Je reviens un instant pour vous montrer au final ce que je n'ai pu filmer à l'époque n'étant pas équipé d'une caméra avec un zoom assez puissant. Voilà, je vous laisse en présence des images de la catastrophe et je vous dis au revoir.